The world is connected by a network of steel. 200 years of history, passion, and progress. Electric, diesel, and steam power mighty machines. Confront Mother Nature head on through rain, wind, ice, and fog, reaching blistering high speeds, and traversing snow topped mountains. Is all in a day's work for you? Don't be late. The world is relying on you to keep moving. No journey is ever the same, and you've got a job to do. All the signals are green. Your adventure starts right here in Train Sim World 4. Out now on Xbox, PlayStation, Steam, and Epic Game Store. Happy Birthday, la West Somerset Railway! La West Somerset Railway fête son 150e anniversaire cette année en 2024. Et pour ce fait, Train Sim World a décidé de nous faire une réduction sur Steam du 15 au 22 juillet 2024. Vous pourrez avoir des réductions sur les différents DLC sur cette année. Ligne West Somerset Railway, on va découvrir ça dans quelques instants. Mais avant ça, je vous lis le fameux article qu'ils nous ont partagé. Explorez la campagne pittoresque du Somerset avec des réductions sur le contenu de Trincim World, alors que le célèbre chemin de fer patrimonial célèbre son 150e anniversaire. Destination favorite des passionnés de chemin de fer, la West Somerset Railway est le chemin de fer historique à écartement standard le plus long du Royaume-Uni, avec un peu plus de 32 km de long. La ligne a été ouverte à l'origine en 1862 entre Tonton et Watchet, mais a été prolongée en 1874 jusqu'à Mainhead. On peut économiser donc sur ce module complémentaire Western Somerset Railway sur Steam, jusqu'à 70% sur cet itinéraire 50% pour la BR Classe 33 qui est disponible en DLC avec sur la BR Classe 52 70% et sur la Pix Forest Railway 60%. Pour célébrer l'occasion, les joueurs Steam peuvent bénéficier d'une réduction massive sur cet itinéraire, qui a été remasterisé plus tôt cette année grâce au travail considérable effectué par le concepteur de jeu Liam. Il y a une remasterisation en fait. Ce jeu, cet itinéraire date du Sim World 2. Cet itinéraire date du Sim World 2 et Sim World 4 maintenant. Il était déjà compatible entre steam World 3 et entre World 4, mais Liam, le, un des concepteurs du jeu, a su améliorer cette Western Material Railway et la remettre au goût du jour avec les différents systèmes d'éclairage, etc. sur euh, la Western Material Railway. Et du coup, les versions remasterisées comprennent donc ces effets d'éclairage et de météo TOD4 mis à jour ainsi que tout... Un tout nouveau calendrier par du Steam Gala. La version remasterisée de, donc, de, de cet itinéraire, excusez-moi, est populaire et disponible pour tous les joueurs qui possèdent l'extension Train Sim World 4. Ici donc, on peut voir cette BR classe 52 ici. Et ici, c'est euh, Le locomotive de base. Le railway Somerset Railway. Les deux locomotives donc, supplémentaires que je disais sont donc cette fameuse classe 33 Crompton qui a 50% de réduction et la classe 52 ici Western qui a 70% de réduction. Ces locomotives diesel se trouvent sur le chemin de fer réel au dépôt de die dépôt diesel de Williton grâce au DEPG. En réalité, la classe 52 D1010 fait l'objet d'une importante campagne de collecte de fonds et d'une révision pour la remettre en service. Les... Le nouvel horaire du Steam Gala permet aux joueurs du module complémentaire itinéraire Peak Forest de faire circuler les locomotive à vapeur 4F, 8F et Jubel Dye le long de l'itinéraire dans une variété de services de fret et de passagers représentatifs des galas ferroviaires patrimoniales. Les joueurs qui ne possèdent pas donc ce fameux itinéraire peuvent désormais économiser 60% sur Steam, le fameux itinéraire Peak Forest. L'itinéraire lui-même se déroule au début des années 1960, à travers la Derbyshire, à une époque où l'air de la vapeur commence à s'estomper sur le chemin de fer britannique. Et donc, du coup. On peut aussi voir donc comment il fête cet anniversaire sur la West Somerset Railway. Il a fait tout simplement du 16 au 21 juillet. 2024 marque donc une année très spéciale pour la West Somerset Railway car elle marque le 150e anniversaire de l'ouverture de la ligne entre Watchet et Mainhead. Nous avons un large éventail d'activités qui se dérouleront tout au long de la semaine du 16 au 21 juillet afin de commémorer cette occasion spéciale. Donc vous pourrez euh, prendre des billets pour cet événement. Ça se passe bien sûr en Amérique. Euh, en, Amérique en Angleterre, excusez-moi. Et donc, du coup, il nous donne quelques informations. Dans les années 1850, pardon, le minerai de fer commença à être extrait en quantité commerciale dans les collines de Brandon. Entre 1856 et 1864, la West Somerset Mineral Railway fut construite et reliait les collines à Watchet Harbour, d'où le minerai était envoyé par bateau jusqu'au sud du pays de Galles, pour être fondu à Eberwell. La West Somerset Railway Company a également été créée dans les années 1850. Il s'agissait d'une société distincte dont l'objectif était de construire une ligne de Watchet à Taunton. Pour se connecter à la section Bristol et Exeter de la ligne principale, qui a, qui achevé, pardon, qui a été achevée en 1845. En raison du succès de la construction du chemin de fer jusqu'à Watchet, les habitants de Minehead souhaitèrent prolonger la ligne pour assurer la prospérité de leur ville. Les principaux prometteurs de l'expansion furent la famille Luttrell de Dunster, qui imaginait que la région de Minehead rivaliserait avec des sites touristiques populaires tels que Weston, Super et Burnham on Sea. Il voyait Minid devenir très populaire auprès des vacanciers et Blue Onshore être idéal pour les excursionnistes. Une nouvelle société, la Minid Railway Company, fut créée pour prolonger la ligne jusqu'à Minid. La nouvelle section de la ligne entre Watchet et Minid fut ouverte le 16 juillet 1874. Elle devait être l'avant-dernière ligne à voir large à être construite. La dernière étant la ligne secondaire de Saint-Dives, ouverte en 1877. Les habitants de Ménid décorèrent pardon, la ville en guise de célébration. Le premier train partit de Ménid à 6h du matin. Et à son retour, à 9h il transporta environ 200 passagers. Lorsque le train suivant arriva à 13h, il transporta environ 800 autres passagers, dont les directeurs de la société. 180 écoliers accueillirent le train pendant qu'un groupe jouait et ils diffilèrent ensuite dans les rues en agitant des drapeaux. Chaque train fut accueilli par un public enthousiaste et également salué par des coups de canon. Le jour de l'ouverture, un grand déjeuner fut organisé sous un chapiteau près de la gare pour environ 150 destinataires dignitaires. Le vicaire fit une prière et les directeurs prononcèrent des discours. Après le repas, divers sports furent pratiqués et des poèmes récités, avant que des prix ne soient remis aux vainqueurs. Le lendemain, c'était le tour des terrassiers. 160 hommes ont défilé avec le mini brass band le long du défilé avec des rubans sur leurs chapeaux, et ont eu droit à un dîner et à beaucoup de bière dans le même chapiteau que celui utilisé la veille. Avec modération, bien sûr. Les hommes ont été rejoints par leur épouse et ont passé un après-midi très agréable à danser et à courir pour gagner des prix, entre autres activités. Pour des attractions supplémentaires pour chaque jour, vous pouvez donc commander ces fameux billets pour cet événement 150. Et ils nous disent différentes informations ici. Donc tout se passe à Minid. Donc ça c'est pour les informations, donc ça c'était la vraie information et puis l'information un petit peu euh, de la promotion que World euh, Dovetail Games nous fait sur Steam pour Sadway sur 7 Railway. Donc c'est uniquement sur Steam, donc pour les joueurs PC. Voilà. De, pour cette information, c'était pour vous annoncer la fameuse promo, si vous n'avez pas ces DLC là, je vous invite à aller les, ach à les acheter, c'est le moment. Il y a les promos, c'est le moment. Quand il y a des promos, c'est toujours le moment. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.